Suivez ce tutoriel pour remplacer les feux arrière sur votre Renault Master 3. Vous trouverez les pièces et outillages sous la vidéo en description. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site lehangardunord.com. Lors du contrôle technique, les feux arrière sont vérifiés pour leur fonctionnement et absence de fissures afin d'assurer sécurité et visibilité sur la route. Nous vous conseillons de les remplacer si nécessaire. Déposez les grilles de protection si votre véhicule en est équipé. Vous pouvez vous aider d'un tournevis plat. Dévissez les deux écrous situés à l'arrière de l'optique. Tirez le bloc pour retirer le phare. Déclipsez la connectique. Vous pouvez utiliser un fin tournevis pour la déclipser. Si vous devez remplacer des ampoules, utilisez un tournevis plat pour dévisser les vis qui maintiennent le porte-lampe en place. Vous trouverez la référence du feu ainsi que les ampoules pour ce véhicule en description de vidéo ou sur notre site lehangardunord.com. Assurez-vous de bien fixer toutes les pièces lors du remontage. Branchez la connectique puis clipsez l'ergot du phare sur la partie extérieure. Serrez à nouveau les deux écrous de fixation, puis vérifiez le bon maintien du feu. Vous pouvez aussi utiliser ce tutoriel si vous avez un Nissan NV400 ou un Opel Movano. Contrôlez le bon fonctionnement des ampoules avant de prendre la route. Merci de nous avoir regardés. Dites-nous en commentaire si cette vidéo a été utile. Nous répondons à toutes les questions. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochains tutoriels. À bientôt.